Bonsoir tout le monde, merci en pile parce qu'avec nous sur télévision nationale d'Haïti, semaine ça, une fois encore, nous prenons le souterrain. Nous avons fait plusieurs communes à Soya, nous prenons dans plusieurs départements. Nous prenons le fournir, regarder qui ça cap fait, ça cap réalisé, toujours dans le cadre, car avant le changement. Pas oublier chaque semaine, TNH prend rendez-vous avec vous pour capable comprendre qui est en réalité a yé, qui ça travaille yé au fait, et dans quel niveau vous commencez à faire différence, qui sa population en tout pensée de ça cap réalisé dans la commune ni. Et qui ça atteint lié par rapport avec un problème que la commune a fait face jour et jour. Nous gardons avec les techniciens, nous gardons avec les responsables chantier, qui importance de travail a fait, importance, n'est-ce pas vrai, pour qui ça c'est qualité de travail ça a réalisé dans la zone côté. Mais tout nous gardons la population pour nous travail ça, qui ça c'est capable de porter en plus pour la vie, mais qui ça c'est capable d'aider mieux vivre la vie. Nous allons faire le même exercice ça à ce qu'il y a, de Baou. Nous avons une équipe dans le nord, nous avons une équipe dans le nord-est, nous avons une équipe qui est nord-ouest, une équipe dans le centre, dans le nip et même dans l'ouest. Ensemble, nous prenons le voir qui ça a opoté pour nous, qui ça a image, je l'ai dit, qui ça a image capable de faire nous comprendre et qui ça a avant le changement à réaliser tout bon vrai souterrain. En nous prenons direction nord avec collaborateur nous, Richardson Jourdain et puis Pems Jean-Baptiste, monsieur est dans le nord, week-end ça, nord, nord-ouest, nord-est. Nous prenons regarder avec eux qui ça a opoté, côté où tu es passé. Qui côté ont été visité et par rapport à la visite ont été faite, qui sont sur quoi caravane avancé. Bonsoir Jourdain, comment est-ce? Bonsoir Sergio Lendo, bonsoir tous les téléspectateurs, téléspectatrices télévision nationale d'Haïti. Week-end ça encore, TNHT souterrain dans tout coin pays en façon pour capable faire population, ouais ensemble travail cap réaliser dans cadre caravane changement. Pour week-end ça, équipe là, nous te rendons dans le département nord pays pour nous faire fournir, regarder qui ça cap réaliser en termes de travail. Premier côté, nous te rendons, c'était sous route, Kankok Vaudreuil là. Nous te regardé dans le premier temps sous route là, côté gain terrassement cap fait, et puis gain carnivore cap fait, on série de travail qui a fait pour nous regarder qui a avancé, qui fait dans le cadre de travail ça. Toujours sous même route Kankok Vaudreuil là, nous allons dans l'autre zone côté nous y a continué avec asphalte là. Sur toute route Vaudreuil là, nous avons un pile technicien TBTC CRD qui là qui a continué à mettre asphalte sur route ça dans l'autre zone ça qui nous allons dans le deuxième temps. Après ça, nous allons dans la zone Fort Saint-Michel précisément dans Riel Dufort côté Semilice Anakaona hier. Et c'est devant nous là, nous sommes allés, nous avons travaillé bétonnage, rue ça a démarré. Effectivement, nous sommes là, nous sommes allés regarder comment travailler. Après, nous avons quitté rue Dufort, dans la ville de Cap-Haïtien. Nous sommes rendus sur route barrière battant qui passe par Saint-Raphaël, qui a le bout d'un champ. Là, nous arrivons, nous avons gagné un travail, un nettoyage qui a fait dans le canal, un terrassement qui a fait, un élargissement qui a fait sur route ça. Tout ça, c'était un série de travaux côté nous sommes passés pour nous regarder côté qui était un travail. Après, nous sommes retournés encore dans la zone Fort Saint-Michel et dans rue Dufort. Parce que dans le 18 mai, nous sommes là-dedans. Dans le 19 mai, nous sommes retournés pour nous venir regarder dans qui prend le travail là. Là, nous arrivons, nous avons plusieurs côtés qui sont déjà bétonnés dans rue Dufort. C'est ça que fait. Nous sommes venus quitter, nous filmer, nous garder des images pour nous être capables de montrer à la population qui travaille là. Un cadre bétonnage qui t'emmène dans rue Dufort. Ça veut dire, ni 18 mai, pas, nous pas de chômer, 19 mai, nous te souterrain, juste en façon pour nous capables de faire la population, ouais, travail qu'a réalisé. C'était toute équipe là qui était mobilisée, nous tous là, nous sommes ensemble pour nous capables de faire la population, ouais, qui ça qu'a réalisé dans le département nord pays. C'était Richardson Jourdain pour TNH. Merci à Pile Richardson Jourdain. Déjà, Richardson Jourdain, ben, on a une idée de qui ça nous a pour nous suivre à Soya. Dans le cas d'émission spéciale, ça, nous prenons rendez-vous chaque semaine avec vous. Nous, ensemble avec vous, à regarder qui ça a fait, ce qu'a réalisé. Et c'est ça nous a fait. Et premier côté, je vous donne à nous, c'est dans Rue Dufort et dans la ville au Cap-Haïtien. Ils sont parlé de ça. Ils parlent de travail asphaltage qu'a fait dans la zone ça. Imagine, Bral, dis-nous exactement qui j'en sais. On a suivi. Nous toujours dans le département nord pays d'Haïti, précisément dans la ville Cap-Haïtien, zone Fort Saint-Michel, Riel Dufort. Un jour après le travail bétonnage qui a démarré dans la route là, nous avons commencé à tailler.
effectivement, là, nous retournons encore pour nous venir regarder qui j'ai travaillé à avancer dans la zone Ridifort. Zone ça, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est là qui gagne l'école, c'est le lycée Anakaona. Si le travail bétonnage a été démarré, nous te recommandons de démarrer pour qu'on soit capable de travailler à avancer. Il y a plusieurs côtés nous qui bétonnent. Côté Mchita là, c'est sous un béton Mchita là. C'est comme ça que travail là. Nous avons quitté l'image au palais. Avec l'image là, on va essayer de comprendre qui ça a fait un changement à faire dans le département de notre pays. C'est l'image là qui va le parler. Nous invitons à suivre. Merci à Pile Jourdan, mais on a toujours été dans Rue du Fort, toujours dans la ville au Cap-Haïtien, deuxième ville pays. On a regardé avec responsable chantier, on a regardé tout avec membre de la population qui est en réalité aillé. Avec le chantier, on a surtout mis l'accent sur l'importance du travail, qui ça travaille, ça rouille, qui ça consiste, qui est tout à promettre chantier. Avec la population, on a regardé dans quel niveau le travail qui est capable de porter une différence dans la vie communautaire. Tout ça avec plus encore. Namiko Richardson Jourdan et puis Pems Jean-Baptiste. Nous toujours dans le département de notre pays, toujours dans la même idée, faire population garder ensemble le travail qu'a réalisé dans le cadre de caravane changement. Nous dans la ville Cap-Haïtien, précisément dans la zone Fort Saint-Michel. Là côté nous, c'est Riel Dufort, côté un travail qui a fait là côté béton pour commencer à couler dans la zone ça. Il y a un pile dans la zone là, il y a un ingénieur qui l'a tout, il y a même qui a suivi comment travail bétonnage ça a démarré dans Riel là. C'est ça que fait nous là. Nous allons parler avec les gens dans la zone là et puis ingénieur, il y a même qui va dire nous comment travailler. Nous invitons à suivre.
parce que dans le temps, tu as gagné une sorte de caserne qui trouvait le surélevé dans la zone là. Tu as considéré comme étant en force, ça fait que la zone est les rues du fort. Ils sont rues qui sont très longues, là, elle débouchait des portes là, là, elle tombait sous rue qui relait Balan SOS. On a ça, on va le faire la ronde là, nous, on a une mise en place qui fait là, béton va le couler là. Normalement, on connaît c'est des quartiers précaires qui ont en pile difficulté, côté que depuis la pluie tombée, en pile la boue. C'est une zone côté que toujours des problèmes. Les gens la pluie, ils ont la boue, les pas la pluie, ils ont pile poussière. Ça fait que coulier, hein, il se trouve que il y a des travaux de, d'assainissement qui fait, des travaux de bétonnage qui fait. Après que là, nous avons un coffrage qui est en place et que après travaux de terrassement ont été fait et avec les matériels de MDPTC, donc coulier, c'est nous-mêmes qui gagnons. Et mission pour nous bétonner zone nan, et que firme nan relè exécution plus, c'est moi-même qui suis censé responsable de l'exécution plus. Nous avons environ une semaine depuis que la mise en place a commencé, et que comme zone nan te gen des caniveaux déjà, même si pas fait par des techniciens, mais caniveaux, le fait que vous avez existé, ça permet que nous allions plus vite. Donc juste MTS, MTC Vini, nous faisons le terrassement, yo, et que maintenant, nous avons un espace là. Équipe topographique MTPTC Vini implanté pour nous, nous-mêmes, nous faisons le reste. 10 000 km à bétonner là? Normalement, c'est une rue qui est longue de plus de kilomètres. Cependant, il se trouve que dans le mesurage qui était fait déjà, nous gagnons environ 1300 mètres. Moi-même, exécution plus, nous gagnons 630 mètres pour nous faire là. En tant que monde qui est en travail là, dis-nous comment est important ce travail qu'on s'agit pour nous. On s'agit beaucoup d'importance. On peut travailler comme ça qu'on fait. C'est ça qui a prêté pour le peuple, son travail qui a de continuer dans tout le pays, d'après moi. Il y a une relation qui fait que la zone ça va être bon, même si on a la boue, de l'eau tout le temps. On s'en cite, tout le monde connaît ça. Et c'est le monde qui habite dans la zone, on connaît ça. Ça va être bon. Ça va être fait à la bonne pour la zone, la ville. Oui. Bon, c'est le développement, la bonne pour la zone. Nous, on travaille la marche à grands pas. Et je dis à même nous-mêmes, même si c'est parti pour le charpentier, c'est je dis à nous qui avons fait tout le travail ça. Vraiment, nous avons la marche à grand pas. Même la population est satisfaite parce qu'en pile, on achète de l'eau pour nous. Ils disent que ça nous a besoin comme boss, c'est pour nous parce que nous vraiment nous venons ici dans la boue. La boue, vraiment. Mais qui importe ce travail pour vous, pour nous, jeunes? Bon, premièrement, et pas blé, poussière, ce n'est pas bon pour santé l'homme. Non. Vraiment, les saisons chez stress, en pile poussière, nous-mêmes, vraiment, nous fatiguons la poussière là. Et sont fiers de travailler pour zone là lorsque zone a fini bétonner. Regardez, l'on envahit, ils ont tout fait la journée. Et la passage du problème pour notre société est très important. Donc nous avons un changement, on a fait à 100%. Zone Nouriel du Fossa, c'est un côté nous apprendre qu'il n'est pas bon même longtemps. Jamais, pas jamais bon même. Donc toujours envahi. Les lapis tombés, l'eau, mal à bout, tout dehors là. Problème. Travail béton là, ça a fait là. Bienvenue dans la zone. Bienvenue. Il va pour tout le monde. Les amis, vous pouvez c'est ça, regardez, il va pas ici encore. Oh, je vous prie, je vous merci. Parce que vous avez un peu de temps en pile. Vous avez content de pousser les pousser de l'eau, de l'envahir nous là. Je suis content de vous dire merci pour ça. Je suis le gouvernement travaille normalement. Et puis, il travaille à marcher normalement. Et puis, moi, je suis démarré et décidé pour totalement que tu sois là-bas aussi. Pour nous continuer le travail là. Et je suis bien content de travailler là, et c'est belle bagaille. Moi-même, je suis supervision de travailler là, qui m'a. Et puis, je suis content tout à monsieur qui travaille. Et puis, je suis content tout à président qui change au cap, qui bat au cap, parce qu'on a commencé à démarrer quatre bagailles. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas le président veut travailler. Mais il manque des gens qui comprennent et l'œuvre veut travailler. Ils ne pas mettre tête ensemble avec. Tant qu'on n'a pas quatre candidats qui te posent des candidats. Et bien, je n'ai pas de président, je n'ai pas de président, je n'ai pas de corps, je n'ai pas de mettre ça ensemble, vous pouvez y démarrer. Mais lui-même, la fédération, il faut que vous y démarrer. Je n'ai pas de bel au cap,
Mais tel président, tellement lié à droite, lié à gauche, lié tout partout. Est-ce que vous avez dit ça? Ça veut dire que ça joue un jour là, il vient démarrer au cap, il a démarré, et quand il y a un changement, il commence à démarrer dans le cap. Et il ne veut pas, qu'il ne veut pas, qu'il ne veut pas, il va mettre attention à président pour nous démarrer au cap, pour qu'il vienne au cap, pour qu'il vienne l'autre, belle au cap, pour les gens qui quittent au cap, pour qu'il vienne tourner au cap. Et nous, tout le monde qui veut pas avoir de problème, nous avons chuté ensemble avec vous pour nous faire dialoguer ensemble avec vous, pour nous être capable de comprendre comment le président veut travailler. Habitants qui vivent dans la zone Fort Saint-Michel, précisément dans Riel Tifort, expriment qu'ils sont contents par rapport avec le travail bétonnage ça a quitté en main dans la zone. D'après ça, ils ont expliqué, Riel Tifort a son zone qui est en train de problème par rapport avec la boue et la pluie qui est en train de problème. Donc, grâce à travail ça a quitté en main dans la zone, les gens qui vivent dans la zone pour le râler et souffre. C'était Richardson Joudin pour la télévision nationale d'Haïti. Va nous tenir dans Rue du Fort, dans la ville au Cap Haïtien, avec le travail qui a fait dans la zone ça. Nous tendez responsable chantier, nous tendez quelques boss qui travaillent sur le chantier, et nous tendez tout quelques monde dans la population hein, qui pral profiter au maximum de ça qui a fait là, et on dit qu'il y a au quoi, et pour qui ça, le quoi travail ça, capable de arriver à faire une différence dans la vie communautaire. Parce que, au fait, c'est ça qu'on avait essayé de garder. C'est garder, est-ce qu'il y a une différence qui a fait? Est-ce qu'il y a un changement qui a porté tout le bon vrai? Est-ce que la réalité, n'est-ce pas, avec ça qui a réalisé, a fait différent au final? Et c'est peut-être ça, chaque semaine, TNH fait le devoir pour traîner caméra, traîner micro et bas aux possibilités pour comprendre exactement qui ça qui a réalisé sous terrain via caravane changement.